Bonjour à tous. C'est donc un immense honneur aujourd'hui pour l'Université de Bretagne Occidentale et les laboratoires de l'UMR de chimie CNRS 65-21 d'accueillir le professeur Jean-Pierre Sauvage, qui est, comme vous le savez tous, lauréat du prix Nobel de chimie en 2016. Donc avant de laisser la parole au professeur Sauvage, je vais rapidement vous retracer sa carrière et je m'excuse par avance de raccourcir à ce point cette si grande carrière. Donc Jean-Pierre Sauvage a obtenu son doctorat en chimie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg sous la direction du professeur Jean-Marie Laine, donc lui-même prix Nobel de chimie en 1987. Durant sa thèse, Jean-Pierre Sauvage s'est donc intéressé à la première synthèse de ligands cryptants. Et après sa thèse, donc dès 1971, il entre au CNRS en tant que chargé de recherche. De 1973 à 1974, il effectue un séjour postdoctoral à Oxford dans le groupe du professeur Malcolm Green. À son retour, il reprend sa carrière de chargé de recherche au CNRS avec un passage en tant que professeur de l'université Louis Pasteur, donc de 1980 à 1981. Ensuite, il devient directeur de recherche, donc toujours à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, où il dirige pendant de nombreuses années le groupe de chimie organominérale. Il est aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Strasbourg et il se trouve plus précisément à l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. Donc Jean-Pierre Sauvage est l'un des pionniers internationaux dans le domaine des machines moléculaires. Ces dispositifs sont des assemblages de molécules capables de se mettre en marche de manière contrôlée sous l'effet de signaux lumineux, thermique ou encore électrique. Donc Jean-Pierre Sauvage et son équipe sont notamment parvenus à concevoir et synthétiser des systèmes moléculaires reproduisant à l'échelle nanométrique des mouvements de rotation, translation ou encore contraction à l'image d'une fibre musculaire ou d'autres processus biologiques importants. Il est élu membre correspondant de l'Académie française des sciences le 28 mars 1990 et membre à part entière le 24 novembre 1997. Il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 1978 et celle d'argent un peu plus tard en 1988. Et il compte à son actif bien d'autres prix et distinctions scientifiques. Il est également chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et grand officier de l'Ordre national du mérite, donc depuis 2016. Donc en 2016, revenons sur son prix Nobel, qu'il a eu aux côtés du Britannique Fraser Stoddart et du Néerlandais Ben Feringa. Tous trois sont récompensés pour la conception et la synthèse de machines moléculaires. Les travaux de Jean-Pierre Sauvage font entrer les nanosciences dans une nouvelle dimension en concevant des nanomachines capables de reproduire les mouvements du vivant. Donc, il va donc aujourd'hui nous parler plus en détail des machines moléculaires, de leur importance en milieu biologique et comment les chimistes ont réussi à surmonter la complexité dans la synthèse de tels édifices. Et donc, sa conférence est intitulée « La machinerie moléculaire en biologie et en chimie moléculaire ». Et donc, je cède la place à Jean-Pierre. Merci Marilyn pour ta très gentille présentation. Donc je remercie l'Université de Bretagne, alors pas orientale, occidentale. Et je remercie l'équipe de Raphaël Tripier et bien sûr Raphaël lui-même pour leur invitation. Donc après une très belle soutenance de HDR ce matin, je vais essayer de vous présenter un domaine qui est l'un des domaines de prédilection de mon laboratoire sur la machinerie moléculaire. Alors je sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont, on va dire, une connaissance peut-être limitée de la chimie moléculaire. Donc ne vous inquiétez pas trop, on va démarrer très calmement. On va démarrer avec le benzène. Alors, est-ce que cette formule de benzène est nouvelle pour vous? Non, je vois
Raphaël, qui semble déjà être au courant du benzène. Donc simplement, c'est pour vous dire qu'il y a des molécules très simples en chimie, et le benzène est une molécule simple, un hexagone, qu'on peut représenter de différentes manières. Et ce benzène, disons, quand j'étais étudiant, et peut-être encore aujourd'hui c'est vrai, on avait l'impression que c'était un hexagone. Vous avez aussi l'impression que c'est un hexagone. Est-ce que c'est un hexagone parfait, à votre avis, tout le temps? Non, pas du tout. Le benzène passe son temps à vibrer, à se déformer un petit peu. Il y a des liaisons qui se raccourcissent, d'autres qui s'allongent. En d'autres termes, il subit des petits mouvements, mais de manière aléatoire, principalement à cause de la température, l'énergie thermique, qui lui permet de se déformer. Une molécule un petit peu plus compliquée, c'est le cholestérol. Alors juste pour vous rappeler, un carbone, c'est représenté par le sommet de cet hexagone. Donc là, on a un atome de carbone, un autre là, etc. Et on ne redessine plus, en chimie moléculaire, on ne redessine plus le C de carbone. On sait que ça veut dire carbone, ici. Donc ça, c'est une molécule que beaucoup de chimistes vont considérer comme simple, même si elle a déjà une certaine complexité par rapport au benzène. Bon, pourquoi le cholestérol? Parce que pour un certain nombre de gens, c'est une molécule qui peut avoir une certaine importance sur leur santé. Une autre molécule qui est particulièrement spectaculaire, qui avait été découverte entre 1985 et 1990 par des chimistes anglais et des chimistes américains, c'est une molécule en forme de ballon de football. C'est exactement un ballon de football avec 60 atomes de carbone. Et si vous prenez un ballon de football classique, donc pas les ballons de football fluo, rose et vert, etc., mais les ballons de football classiques, vous allez retrouver exactement la même succession de pentagones et d'hexagones. Et cette molécule a été découverte complètement par accident, et c'est quelque chose que j'aime bien dire de manière très forte. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par accident, des coups de chance. Il faut juste être là au bon moment et savoir reconnaître que c'est un coup de chance et savoir reconnaître qu'il y a une découverte derrière. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le fullerène C60, et c'est une molécule comme ça, c'est très simple, c'est une petite sphère, si vous voulez. Alors si j'en parle, c'est qu'elle fait à peu près un nanomètre dans son diamètre. Et un nanomètre, il n'est pas certain que vous ayez tous la notion de ce que ça représente comme distance. Donc je me permets de faire simplement une comparaison. Le nanomètre, c'est petit. C'est même encore plus petit que ça, même encore plus que ça. Et la relation entre le nanomètre et le mètre, ou si vous voulez, le rapport qu'il y a entre le nanomètre et le mètre, supposons que le mètre, ça soit là, c'est le même qu'entre un petit bâton de 30 cm et la distance de la Terre à la Lune. Donc c'est juste pour dire que c'est vraiment petit, un nanomètre. Et les molécules, les objets qu'on va manipuler, là, sont tous du domaine du nanomètre. Voilà une molécule qui est beaucoup plus compliquée. C'est juste pour vous montrer que les chimistes n'ont peur de rien et que là, on a une molécule totalement infernale. Rien que la dessiner représente un exploit. Ça s'appelle la brevetoxine A. C'est une molécule naturelle qui est fabriquée par des micro-organismes rouges, parce que ces micro-organismes, dans l'évolution, avaient l'habitude de se faire manger par toutes sortes de poissons, des micro-organismes marins. Et doucement, pour survivre, ils ont développé des toxines. Ils ont développé une toxine qui est tellement puissante que plus personne ne veut manger ces micro-organismes. Donc l'information est passée aux poissons, au monde marin. Et il y a eu des gens qui ont eu la folle idée d'essayer de fabriquer cette molécule. Alors vous pensez peut-être que c'est difficile. Eh bien, vous avez raison. C'est extrêmement difficile. Pour un laboratoire d'à peu près, disons, une partie de ce laboratoire, de 25 personnes,
Il a fallu 12 ans pour fabriquer cette molécule. Donc le labo était dirigé par un chimiste organicien célébrissime, Casey Nicolaou, en Californie. Et voilà, 25 personnes pendant 12 ans, donc 3 siècles. Il a fallu 3 siècles chercheurs pour fabriquer cette molécule. À quoi ça sert de fabriquer cette molécule? À votre avis, vous pouvez vous poser la question, hein? Il est même important de se la poser. C'est une molécule qui est extrêmement toxique, donc ça ne sert vraiment à rien de fabriquer cette molécule, d'en accumuler des grammes et des grammes. Non. Par contre, ça sert énormément, parce que lorsque l'on fabrique cette molécule, on met au point tout un ensemble de réactions. Et ces réactions vont permettre à d'autres chimistes, de faire des molécules compliquées. Donc ces gens ont apporté à la communauté des chimistes, désolé, je retrouve mes problèmes normaux de laser, voilà. Donc ces gens ont apporté à la communauté des chimistes tout un ensemble de réactions qui sont ensuite utilisées par peut-être l'industrie pharmaceutique, par d'autres laboratoires de recherche en chimie organique, etc. Donc ça apporte de nouvelles réactions, en d'autres termes, ça étend toutes les possibilités qu'ont les chimistes pour fabriquer des molécules compliquées et utiles maintenant. Donc juste pour terminer sur cette introduction, les molécules synthétiques sont considérées comme des objets statiques qui subissent des déformations aléatoires ou stochastiques, mais on ne sait pas les mettre en mouvement. Voilà, donc ça c'était la proposition la plus importante. Maintenant regardons ce qui se passe en biologie. En biologie, la situation est totalement différente. On a des mouvements moléculaires contrôlés, souvent de très grande amplitude, et ces mouvements sont absolument essentiels. Tous les processus biologiques auxquels on peut penser font intervenir des machines moléculaires biologiques, naturelles, et ces machines moléculaires biologiques sont omniprésentes. Donc juste quelques exemples, on a des moteurs rotatifs, ou des moteurs linéaires. On a des marcheurs, on va voir un exemple de système biologique où on a une molécule qui marche sur une autoroute. On a bien sûr des systèmes qui subissent des contractions ou élongations. Donc dans nos muscles, c'est un énorme paquet de molécules, hein, qui se contractent et qui s'étendent. Et en général, ce sont des protéines, mais pas toujours. Et on appelle ces protéines les protéines motrices. Elles sont absolument partout. On va voir deux exemples qui sont particulièrement spectaculaires. L'ATP synthase, donc qui est l'enzyme responsable de la synthèse de l'ATP. Donc l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est le fuel de la vie. Hein, disons, dans votre mobilette, vous mettez de l'essence. Nous, dans nos organismes, et tous les organismes vivants, c'est l'ATP qui est le fuel et qui va libérer son énergie lorsqu'elle est hydrolysée en une forme dégradée, l'ADP. Et le deuxième exemple que l'on va voir, c'est la kinésine, qui est très spectaculaire et qui est responsable dans les cellules du transport des molécules. Donc des molécules sont fabriquées à un endroit dans la cellule, il faut ensuite les transporter très loin, à l'autre bout de la cellule, ou bien il faut collecter toutes les molécules qui ne servent plus à rien, qu'on va mettre à la poubelle, donc la cellule va se débrouiller pour faire des gros sacs poubelles et éjecter ces molécules, disons, en dehors de la cellule. Alors l'ATP synthase, donc c'est représenté de manière très schématique ici. Comme je le disais, elle est responsable de l'ATP dans tous les organismes vivants. Quand je dis tous les organismes vivants, c'est vraiment tous les organismes vivants. Donc les premiers organismes vivants, les archéas ou les bactéries complètement archaïques, datent d'à peu près 3,7 milliards d'années. Et
c'était exactement ou presque exactement la même enzyme qui était utilisée pour fabriquer l'ATP. Donc toute la vie est fondée sur l'ATP, et l'ATP synthase était déjà là il y a 3,7 milliards d'années. Ça a un petit peu changé au cours de l'évolution. Pour les mammifères, ça a un petit peu changé. Disons, le nombre de quartiers qu'on voit là, de fragments dans ce gros tambour, a augmenté ou diminué en fonction des organismes. Mais là, disons, la beauté du système, c'est que c'est un moteur rotatif. Donc on a ici la membrane lipidique, la double couche, d'une cellule, bon, en fait c'est la mitochondrie là, et cette grosse partie est fixe, c'est un ensemble de 6 protéines avec une partie creuse au milieu, et à l'intérieur on a un axe, c'est un axe dissymétrique qui est retenu par ce gros tambour, ce gros cylindre, et le tout se met en mouvement en même temps que des protons sont transportés d'un côté vers l'autre, ce qui permet de fabriquer l'adénosine triphosphate à partir d'adénosine diphosphate, donc la forme dégradée. On ne va pas rentrer vraiment dans le détail de tout ça, c'est très complexe, mais sur le net, on trouve de très belles animations, et des animations très correctes faites par des biologistes, hein. Ce n'est pas des inventions. Il y a même eu des structures aux rayons X de l'ATP synthase, donc on a une vision tridimensionnel, global, exact. Et voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Ça tourne. Et l'axe qui est à l'intérieur de cette cavité, là, on a une cavité à l'intérieur de ce système, va tourner. Et en même temps qu'il tourne, ça va conduire à la consommation d'ADP, adénosine diphosphate, qui arrive en jaune, et la formation d'ATP en violet. Donc, je veux dire, ce n'est pas une animation fondée sur purement de l'imagination. Il y a toute une base scientifique extrêmement solide. Alors, mon ami Ben Feringa, dont Marilyn a déjà parlé, qui a eu le prix Nobel, a fait des moteurs rotatifs dans son labo, avec son groupe. Ce n'est pas lui-même qui les a faits, c'est tout son laboratoire. Et ils ont fait dans son université, à Groningen, en Hollande, une très belle animation de l'ATP synthase. Donc c'est simplement le même système, mais peut-être qu'on le voit mieux. Donc cette partie est contenue dans la membrane, mais la membrane a été retirée pour cette animation. Et des protons vont être transportés d'un côté de la membrane, donc ce côté de la membrane, de ce côté vers l'autre côté. C'est-à-dire qu'en transportant des protons, on consomme de l'énergie, et c'est cette énergie qui va être utilisée pour faire tourner ce gros tambour. Donc je mets ça en route. Voilà, les protons passent, ils vont très vite. Ce tambour tourne, celui-ci tourne. À l'intérieur, on a un axe dissymétrique qui oblige tous les fragments, les 6 fragments qui sont là, à se déformer, à s'éloigner ou se rapprocher. Et c'est ceci qui est responsable de la fabrication de l'ATP. Donc voilà une enzyme particulièrement spectaculaire parmi les nombreuses machines moléculaires de la biologie. Un deuxième exemple, c'est celui de la kinésine. Et comme je le disais, il y a des tas d'objets en biologie qui bougent, qui font disons qu'ils ont des tas de fonctions complexes et en même temps qui démontrent une grande mobilité. Et ce cas particulier correspond à un marcheur. On a une molécule qui va marcher sur un rail. Donc la fonction, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est de transporter de la matière d'un endroit vers un autre endroit. Et cette kinésine est une relativement petite protéine qui va marcher sur un rail qui s'appelle la microtubule. Donc c'est un polymère, c'est pas la peine de discuter ça dans le détail, mais on a cette microtubule ici, c'est une espèce d'assez gros cylindre hélicoïdal, et la kinésine c'est ceci. Donc comme je le disais, dans la cellule, elle va collecter des molécules, en général elle s'accroche dans le dos un énorme sac. C'est vraiment
que l'on appelle organelle en anglais, organite en français. Et ce gros sable va voyager sur des microns, c'est-à-dire qu'il est capable de traverser la cellule et grâce à cette kinésine qui va marcher. Donc elle marche bien, elle marche très vite. En fait, c'est un peu trompeur, elle court très très vite. Disons, si on ramène tout ça à l'échelle d'une personne, ça correspond à faire un tour de piste en 4 secondes, je crois. Donc c'est une vitesse. Et bien sûr, pour l'animation, là, il ne fallait pas que ça aille trop trop vite. Et le sac va être transporté, éventuellement éjecté vers l'extérieur, etc. Donc voilà une belle fonction, qui est une fonction de marche, de transport. Transport de molécules d'un point vers un autre point, ou de l'intérieur vers l'extérieur d'une cellule. Alors apparemment, on va changer complètement de domaine, et je vais vous emmener maintenant vers la chimie, disons de manière plus dirigée vers la chimie. Donc on va s'intéresser à des drôles d'objets, qui sont par exemple un caténane comme celui-ci, donc le caténane le plus simple. J'ai vraiment des ennuis avec mon laser. Donc le caténane le plus simple contient deux anneaux entrelacés. Alors ça s'appelle caténane du fait que caténa en latin ça veut dire chaîne. Et ici on a la plus petite chaîne à laquelle on puisse penser avec deux maillons cycliques. Un maillon cyclique, un deuxième maillon cyclique. Caténa, petite chaîne. Deux parce qu'on a deux anneaux. Ceci c'est un rotaxane, ça ressemble un petit peu à un caténane. On a une roue, en latin rota, la roue, qui est traversée par un axe, axane. Et des molécules comme ça ont fait rêver les chimistes pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'on était totalement incapable de les faire, et les gens leur supposaient des propriétés tout à fait intéressantes. Ainsi également que le défi, disons, que ça peut représenter de les fabriquer. Donc beaucoup de labos ont essayé de les faire sans aucun succès. Et puis il y a déjà bien bien longtemps, en 1964, il y a un labo allemand, le professeur Schill, Gottfried Schill, et le professeur Lüttringhaus, qui était son boss, ils ont réussi à faire de toutes petites quantités d'une molécule telle que celle-ci. Très beau travail, disons intellectuellement extrêmement séduisant, mais pratiquement de peu d'intérêt, parce qu'il fallait 23 étapes différentes pour le faire, donc pour les gens qui ont idée de ce qu'est la synthèse en chimie, la synthèse organique, 23 étapes, ça veut dire que c'est un travail monumental. Et à la fin de l'année, s'ils ont mis un an pour faire cette molécule, il ne devait pas en avoir plus qu'un milligramme ou deux. Donc voilà, les gens étaient très intéressés par les caténanes. Il y a eu une première contribution expérimentale importante en 1964, mais disons, ces molécules n'ont pas passionné les chimistes parce qu'elles semblaient si difficiles à faire que c'est un petit peu comme si elles n'avaient jamais été faites. Pourquoi les caténanes sont si intéressants en liaison avec le mouvement moléculaire contrôlé ? Très simple. Supposons que l'on ait un rotaxane, deux rotaxanes, un anneau et un axe avec deux boules ici qui vont empêcher l'anneau de sortir de son axe. Si l'on est capable de diriger un mouvement, par exemple d'aller de la partie gauche à la partie droite pour cet anneau, puis de revenir, eh bien on est en train de faire un moteur linéaire, exactement comme un piston qui bouge dans un cylindre. Si ici on est capable de faire tourner cet anneau, on est tout près de faire un moteur rotatif. Et là, dans un caténane, si on est capable de faire tourner cet anneau à l'intérieur de l'autre anneau, l'anneau bleu, on est également tout près de faire un moteur rotatif. Donc on voit le lien direct entre les caténanes et les rotaxanes et les machines moléculaires, les systèmes dynamiques que l'on peut mettre en mouvement. Donc maintenant, je vais vous raconter comment notre labo est rentré dans ce domaine. Ce n'est pas bien bien compliqué, vous allez voir.
ça permet sans doute, j'espère, de comprendre que la recherche n'est pas du tout une ligne droite bien tracée sur laquelle un jour on démarre une marche régulière qui va nous emmener jusqu'au but, quelques années ou dizaines d'années après. Non, c'est pas ça la recherche. La recherche, elle est très tortueuse. Et il faut être prêt à ce qu'elle soit très tortueuse. On peut démarrer dans un domaine, à un moment on peut dériver, on peut revenir en arrière, on peut avoir une idée qui nous emmène dans un troisième domaine, etc. Et je pense que, disons, tous ceux qui font de la recherche depuis des années et des années sont conscients de ceci. Donc, quand on a démarré notre labo, nous étions dans un domaine très chaud de l'époque, la photochimie de coordination. C'est très barbare comme nom. Ça veut dire la chose suivante. On s'intéressait à l'énergie solaire et en particulier à essayer de couper la molécule d'eau, H2O, en H2 plus 1,5 de O2. Et si vous savez faire ça, en utilisant l'énergie solaire, c'est formidable parce que vous pouvez fabriquer de l'hydrogène qui est le fuel idéal. On sait stocker l'hydrogène. Bien sûr, quand on le brûle, l'hydrogène ne fournit que de l'eau. Donc, on oublie les problèmes de réchauffement global. On oublie tous les problèmes de pollution au CO2, autre que le réchauffement global. Et c'est un projet très ambitieux qui a attiré un grand nombre de laboratoires et qui continue à attirer un grand nombre d'équipes. Et donc, personnellement, je me suis beaucoup investi dans ce domaine. Et lorsque j'ai démarré mon labo, on était complètement à fond dans ce domaine de coupure de la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant l'énergie solaire, la lumière solaire. Et à l'époque, il y avait une molécule très colorée, disons, qui semblait avoir toutes les propriétés requises pour couper la molécule d'eau en utilisant de la lumière et toutes sortes d'ingrédients, des catalyseurs, ça s'appelle comme ça, des particules diverses, etc. Et c'était cette molécule. Alors cette molécule, elle vous semble peut-être un peu compliquée, je ne sais pas, mais disons, on a un centre métallique ici, et on a trois molécules organiques autour, avec des atomes d'azote. Et les atomes d'azote aiment bien interagir avec les centres métalliques. Ce métal, c'est du ruthénium. Donc pour les chimistes qui ont peut-être un peu oublié leur tableau périodique, le ruthénium, c'est juste en dessous du fer, dans la classification périodique de Mendeleïev. Et le ruthénium, ça a une spécificité, c'est un métal noble. Pensez aux platines ou à l'or. Ça veut dire que c'est très rare, et donc c'est très cher. Si on veut un jour faire la coupure de l'eau pour faire de l'hydrogène, utiliser l'hydrogène, il est hors de question de pouvoir utiliser du ruthénium. Il n'y a pas assez de ruthénium sur la planète pour pouvoir avoir des dispositifs disponibles absolument partout pour récupérer de l'hydrogène d'origine solaire. Donc, voilà, nous nous sommes dit, on va essayer de trouver un métal moins cher. Et ça a été le début, disons, d'une nouvelle recherche réalisée en collaboration avec un ami américain, Dave McMillan, qui était à Strasbourg, avec qui on a beaucoup, beaucoup discuté. Et on s'est dit, on va utiliser du cuivre. Et le cuivre, ça vaut rien. Hein. Je veux dire, rien, c'est intéressant à l'échelle de la tonne, peut-être, mais le gramme de cuivre, c'est gratuit. Donc, on s'est dit, voilà, on va utiliser du cuivre. Et on va faire une molécule qui ressemble à ce fameux complexe par ses propriétés. On avait fait cette molécule qui était nouvelle à l'époque, et avec Dave McMillan et les gens de mon labo, on a fabriqué ce qu'on appelle un complexe, qui est une molécule très colorée, qui comporte à la fois un centre métallique et des molécules organiques disposées autour du centre métallique.
Donc voilà, on prend cette molécule, on la fait réagir avec du cuivre, un sel de cuivre, et on obtient cette molécule. Formidable, une molécule très colorée, donc rouge, très intense, donc capable d'absorber les rayons solaires, et des tas de propriétés intéressantes vers la photolyse de l'eau, que l'on ne va pas du tout discuter. Mais en regardant cette molécule, on découvre autre chose. Et cette autre chose va nous faire changer de domaine. Donc ce que je vous raconte là, c'est ce que la Fondation Nobel appelle « the story behind the discovery ». Et il demandait à chaque lauréat d'expliquer ce qui avait conduit au début de leur recherche dans le domaine qui avait été récompensé. Donc c'est exactement ce que je fais. Cette molécule, elle est très colorée, je le disais, mais elle a quelque chose d'autre. Si maintenant j'imagine par l'esprit que je relie ce point à ce point. Donc je suis en train de fabriquer un anneau dans un plan vertical. L'autre fragment, qui est maintenant dans un plan horizontal ici, je vais le reprendre et relier ce point à cet autre point. Donc je fabrique maintenant un anneau dans un plan horizontal, un autre anneau, comme je venais de le dire, dans un plan vertical. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces deux anneaux? Alors, on va faire une interrogation écrite. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Je recommence. Voilà, je vois les bons gestes. Ces deux anneaux sont entrelacés. C'est-à-dire que je suis en train de faire un caténane, simplement, avec les deux anneaux que je viens de fabriquer. L'un dans un plan vertical, l'autre dans un plan horizontal. Je viens de faire un caténane. Donc, quand on a réalisé ça, on s'est dit, voilà, maintenant on a deux possibilités. Ou bien on continue dans notre domaine, la photochimie solaire vers la photolyse de l'eau, où on était très à l'aise, on connaissait presque tout ce domaine. Ou bien on arrête, ou au moins on ralentit très très fortement, très fortement, et on saute dans l'inconnu. On saute vers un domaine qui est celui des caténanes, qui était un domaine presque vierge, et on va voir où ça va nous conduire. Et bon, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'on a choisi de sauter. Donc, on a arrêté notre marche régulière sur l'autoroute de la coupure photochimique de l'eau et on s'est jeté dans un autre domaine. À ce moment-là, il y a une copine qui était chargée de recherche au CNRS, Christiane Dietrich-Buchecker, qui travaillait dans un autre laboratoire et qui voulait voir autre chose. Donc elle est venue me voir, peut-être 2 ans après que j'ai démarré mon groupe, et elle m'a dit, écoute, si tu veux, on travaille ensemble, ça peut être sympa. Et elle avait une compétence, disons, très très supérieure à la mienne, dans le domaine de la synthèse. Donc elle savait faire des molécules très compliquées, elle avait déjà fait des molécules très compliquées, donc elle avait exactement toutes les armes qu'il fallait pour partir de ça et faire des caténanes. Alors les gens qui croient que ça va prendre ensuite des années et des années, en fait, sont dans l'erreur. Elle est arrivée dans mon labo à l'été 1982. Au mois d'octobre 1982, on a écrit le projet. Et au mois d'octobre 1983, on avait notre premier papier. Donc, les publications, ça compte énormément en science. Et on a eu notre premier article, à peine un an après qu'elle ait démarré le projet. Alors, pour les chimistes, un clin d'œil, on a publié dans Tetrahedron Letters, qui n'est pas le journal à l'indice d'impact maximal. Et le deuxième clin d'œil, c'est qu'on a osé publier en français une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes. Alors quand je donne des conférences en anglais, en fait, je ne traduis pas ça. Ils ont qu'à essayer de comprendre. Et en général, ils comprennent. Donc une nouvelle famille de molécules, et ça a été le début, disons, d'un nouveau domaine sur les caténanes.
Alors juste très rapidement, ça c'est la stratégie. Donc on reprend la stratégie qu'on avait imaginée avec ce complexe de cuivre. Et pour avoir l'air intelligent, on fait des beaux dessins en disant « voilà, on avait pensé à ça ». Alors que c'est complètement faux, en fait. Ça venait simplement de l'observation d'un beau complexe dans le domaine de la photocoupure de l'eau. Donc voilà, on a une stratégie qui consiste à réaliser un enchevêtrement entre deux fragments organiques et un métal. Donc le métal va rassembler ces deux fragments organiques pour faire cet intermédiaire. Donc là, on a l'intermédiaire enchevêtré, si vous voulez, ou entremêlé. Et ensuite, on fabrique un anneau ici, on fabrique un autre anneau là. C'est exactement ce que j'ai expliqué sur le dessin du complexe de cuivre. Donc voici maintenant les réalisations. Donc on part d'une molécule très simple, qui est celle-ci, que l'on peut obtenir à l'échelle de 10 grammes, si l'on veut, en quelques jours. Et on a introduit des fonctions chimiques. On ne va pas du tout discuter les propriétés chimiques et les réactions chimiques. On introduit juste des fonctions, ici. Et on va maintenant utiliser ces fonctions pour fabriquer des liens, des nouvelles liaisons chimiques. Donc on procède à l'enchevêtrement. On met un atome de cuivre. Deux molécules telles que celle-ci vont venir s'entremêler autour d'un atome de cuivre. Et voici ce que l'on obtient. Donc ça, c'est un dessin à l'encre de Chine. Parce que pendant que Christian Dietrich Buchecker faisait les molécules, moi, il fallait bien que je fasse quelque chose, donc je faisais les dessins. Ce n'était pas extrêmement important par rapport à ce qu'elle faisait, qui était vraiment l'essentiel du projet. Donc, je faisais les dessins. Au début, je n'étais pas très doué, puis j'ai appris finalement. Alors, je vous rappelle quand même que ChemDraw, ça date du milieu des années 90. Hein. Donc, on est largement avant ChemDraw. Donc en anglais, j'appelais ça le pre-ChemDraw era, l'ère avant ChemDraw. Donc on obtient cette espèce et ensuite on continue. On va cycliser, donc faire un anneau ici, c'est simple. Faire un anneau de l'autre côté. Donc on utilise une méthodologie de synthèse qui n'est pas triviale du tout, mais qui était déjà relativement connue. Et en fabriquant un anneau ici et un anneau de l'autre côté, bien sûr, on obtient le caténane. Donc ces deux anneaux sont entrelacés pour la vie. Pas moyen de les séparer. Au cœur de la molécule, on a un autre atome de cuivre. C'est celui qui a été utilisé pour rassembler tout le monde et orienter les deux fragments dans la bonne disposition. Donc le rendement n'est pas glorieux. Mais ça a quand même totalement changé la situation des caténanes. Trois étapes. Donc trois étapes, ça n'est plus 23 étapes. Et en quelques semaines, on pouvait faire un demi-gramme de cette molécule. Donc tout d'un coup, on a une méthode préparative pour fabriquer des anneaux entrelacés. Donc ça change tout. C'est-à-dire que les gens ont réalisé que les caténanes étaient peut-être des molécules pas si compliquées à faire. Et ça a démarré, disons, ça a engendré pas mal d'intérêt dans un certain nombre de laboratoires qui ont suivi et qui se sont mis à faire des caténanes. Alors, j'ai une animation ici qui est pas mal, qui a été faite par Damien Jouvenot, qui est maître de conférence à Grenoble. Ou à Grenoble, j'avais fait une conférence il y a déjà un certain temps. Et à la fin de ma conférence, c'était avant qu'il ne fasse des animations. Il m'avait dit, écoute Jean-Pierre, c'est vraiment ringard ton truc. Donc je vais essayer de te rendre plus moderne, quoi, parce que tes dessins à la main, là, c'est vraiment pas terrible. Alors il a fait une animation qui est pas mal, je trouve, hein. Donc ça, c'est la molécule de départ avec les deux atomes d'azote. Et on va rajouter du cuivre. Donc le cuivre arrive, on obtient le système enchevêtré. Ensuite, on cyclise à droite, on cyclise à gauche et on a le caténane.
Voilà, très, très simple. Donc, je remercie Damien. L'autre stratégie, elle est plus sophistiquée, mais elle est peut-être plus intéressante parce qu'elle permet de faire des objets dissymétriques. Donc, je pars d'un anneau qui a déjà été fabriqué avec deux atomes d'azote, toujours. Et ces deux atomes d'azote ont envie d'interagir avec du cuivre. Donc, c'est ce qui va se passer. Et ces deux atomes d'azote vont interagir avec du cuivre, et le cuivre va en même temps attirer un fragment non cyclique à l'intérieur de l'anneau. Voilà, c'est ce qui vient de se passer, et ensuite on cyclise. Alors bon, là, Damien était peut-être un peu pressé parce qu'il a vraiment été vite. Donc si vous voulez, on va la repasser. Donc l'anneau, les deux atomes d'azote, le cuivre, on enfile ce fragment et on cyclise. Voilà. Donc ça permet de faire toutes sortes de caténanes. On a fait ensuite des dizaines, sans doute des centaines de caténanes différents. Et Marilyn a travaillé dans ce domaine, disons, avec des fragments complètement différents de ces petits fragments simples. On peut retirer le cuivre en utilisant du cyanure de potassium. On obtient une espèce complètement différente et on peut remettre le cuivre. Donc là, on a une vision tridimensionnelle des molécules, c'est une vraie photo, ça s'appelle la diffraction des rayons X, mais ça correspond à une photo 3D, et on voit que là, on a un objet qui est très compact, avec des tas de fragments qui vont interagir les uns avec les autres, et de l'autre côté, une fois qu'on a retiré le cuivre, on a un objet très ouvert, beaucoup d'espace, et un anneau peut tourner à l'intérieur de l'autre anneau. Et c'est bien sûr réversible. Donc on a appelé ça une métamorphose moléculaire. Effectivement, c'est une vraie métamorphose. On a une molécule qui se transforme en une autre molécule qui n'a plus rien à voir du point de vue de sa forme, et on peut revenir. Alors, juste pour vous dire que les caténanes et les nœuds moléculaires nous ont passionnés pendant des années et des années. Je ne parle pas du tout de ce domaine aujourd'hui. Mais la biologie est pleine de caténanes et de nœuds. Donc l'ADN circulaire duplex forme des caténanes en permanence. Les organismes vivants forment des caténanes et des nœuds. Ce sont en général des espèces transitoires qui sont ensuite transformées. Et on a juste deux, ici, sur cette dia, deux photos. C'est de la microscopie électronique ou micrographie électronique. On a un nœud de trèfle formé avec de l'ADN circulaire duplex et ici un caténane en 8. Juste deux exemples, mais on trouve des centaines et des centaines de micrographies électroniques de l'ADN qui forment des nœuds et des caténanes. Je vous montre juste le record du monde de beauté ou de complexité. En l'an 2000, il y a eu une publication formidable dans Science d'un virus. Donc les virus, on peut cristalliser beaucoup de virus, enfin beaucoup. On a pu cristalliser, les biologistes ont pu cristalliser les virus, et avec l'aide des cristallographes, ils ont obtenu des structures. C'est-à-dire là encore, on a une vision tridimensionnelle exacte du virus, exactement comme une photo 3D. Et ce virus-là, qui est un virus qui est très méchant vis-à-vis des bactéries, mais pas du tout vis-à-vis de nous, puisqu'il envahit les bactéries et il injecte son ADN avec celui des bactéries, on a une véritable côte de maille. Donc on a des arrangements protéiques, cycliques, hexagones, hexagones, pentagones, hexagones, etc. Tout ça, c'est exactement comme une côte de maille. Une côte de maille qui permet à ce virus d'être très résistant mécaniquement, mais en même temps de pouvoir se déformer. Et s'il peut se déformer, ça a une fonction, c'est pour mieux passer les barrières. En fait, c'est pour mieux aller envahir les bactéries et les démolir. Donc, très méchant. Donc, ça a épaté tous les gens des caténanes qui ont découvert qu'en biologie, rien n'est impossible et que la nature avait fait des caténanes incroyablement compliquées. Donc je vais vous parler maintenant de la première machine moléculaire que l'on ait
faite dans notre équipe. Alors, il y a un petit préambule. Il faut savoir que le cuivre a deux états. Bon, il en a plus, mais on va considérer qu'il a deux états. Il y a du cuivre 1+, et du cuivre 2+. Le cuivre 2+, je pense que vous êtes très souvent familier avec lui, et notamment dans les écoles, en chimie, on manipule du cuivre 2+. C'est souvent des solutions bleues ou vertes. Et le cuivre 1+, est un tout petit peu moins courant, mais disons, il a rien d'exceptionnel. Donc tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça a été fait avec du cuivre 1+. Et ce cuivre 1+, qui est représenté en noir ici, a une particularité. Il aime bien être entouré de 4 atomes d'azote. 4 atomes d'azote disposés en tétraèdre. Donc c'est exactement ce que l'on a là. Dans cet objet, on a 1, 2, 3, 4 atomes d'azote. Et si vous regardez bien, c'est vraiment comme un tétraèdre. Hein, on a une géométrie tétraédrique pour les 4 atomes d'azote qui entourent le cuivre 1+. Très bien, le cuivre 1+ est très content. Maintenant, si on oxyde, c'est-à-dire si on passe du cuivre 1+ au cuivre 2+, on va complètement perturber le système. Et le cuivre 2+ ne sera pas du tout content. Le cuivre 2+ va être entouré de 5 atomes d'azote, voire 6, mais pas 4. 4 atomes d'azote disposés en tétraèdre, il est très très malheureux et il va se plaindre. Donc on arrache un électron, on fait un cuivre 2+, et pour le moment, on a toujours un tétraèdre d'azote, d'atomes d'azote. Donc le système est très fortement déstabilisé et veut trouver un moyen pour se stabiliser. C'est ce qu'on appelle la relaxation. Alors, la relaxation, c'est partir d'un état instable ou un état excité et trouver un chemin pour avoir une situation agréable, thermodynamiquement stable du point de vue de la physique ou de la chimie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cet anneau va tourner, les 3 azotes qui étaient là au début vont remplacer les 2 atomes d'azote qui sont là, d'abord en interaction avec le cuivre, et après rotation, on se retrouve avec une situation totalement différente où le cuivre 2+ est parfaitement heureux avec 5 atomes d'azote dans son environnement. Il regarde, il voit 5 atomes d'azote, ouf, tout va bien. Ensuite, on peut revenir, on va de nouveau transformer le cuivre 2+ en cuivre 1+, on revient vers 1+. On obtient d'abord un système avec 5 atomes d'azote, ce qui correspond à une grande instabilité du cuivre 1+, qui veut être coordonné ou en interaction avec 4 atomes d'azote. Donc cet anneau va à nouveau tourner et on revient ici, le produit de départ. Donc très simple, hein, apparemment. Et c'est une manière de mettre en mouvement une molécule et de lui faire subir un mouvement de grande amplitude. Alors pour être tout à fait complet, ça n'est pas une véritable rotation dans la mesure où on n'a pas le contrôle sur la direction ou directionnalité du processus. Donc ça va tourner peut-être dans le sens des aiguilles d'une montre, ici. Et puis ensuite, là, ça pourra être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On n'a pas le contrôle. C'est la raison pour laquelle on a appelé ça un mouvement de pirouette. Donc le système pirouette, 180 degrés, dans un sens ou dans un autre. Alors j'ai une vidéo qui va vous faire comprendre le processus, je pense, sans aucun problème. Donc on a maintenant un anneau ici, et les 3 atomes d'azote qui vont intervenir à un moment sont en bas. Le cuivre, c'est du cuivre 1+, et on va arracher un électron. On arrache un électron, on obtient du cuivre 2+, qui devient vert, l'anneau bouge, et on a maintenant un cuivre 2+, parfaitement heureux, puisqu'il y a 5 atomes d'azote. On remet un électron, on régénère le cuivre 1+, avec ses 4 atomes d'azote, etc. Et on peut faire ça autant de fois que l'on veut. Bien sûr, avec mon ordinateur, il n'y a pas de problème, jusqu'au moment où il crache.
Mais avec les molécules, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune fatigue. Disons, on peut faire ça autant de fois que l'on veut, des milliers de fois si l'on en a envie. Il n'y a aucune fatigue. Alors, juste pour vous dire qu'on est parti d'un système qui était très lent, et en une douzaine d'années, on a réussi à accélérer le processus de manière importante. On était dans les secondes à minutes pour les mouvements, tout au début, le système que je viens de vous expliquer. Et une dizaine d'années après, on était dans le domaine des microsecondes à des millisecondes pour un processus de mouvement de pirouette tel que celui-ci, avec un rotaxane, donc un axe qui est ici, et puis un anneau qui va tourner de 180 degrés dans un sens ou dans un autre, très vite. Donc c'est une amélioration, disons, tout à fait intéressante. Maintenant, je voudrais rendre hommage aux autres contributeurs à ce domaine, et notamment le groupe américain dirigé par Fraser Stoddart, et un autre groupe avec qui il collaborait, Ankel Kiefer. Ils ont fait une navette moléculaire. Donc une navette moléculaire, c'est ça, un anneau peut se déplacer. Il était d'abord assis sur une station verte, il va aller sur une station rouge, on envoie un autre signal, il revient vers la station verte, et puis on renvoie encore un signal, il va vers la station rouge, etc. Alors, on n'a pas le temps de discuter tout le détail des molécules, mais c'est exactement ce qui se passe dans ce cas-ci. On a une station verte, une station rouge, et cet anneau bleu, ici, sous l'impulsion électrique, disons, on a un signal électrique, on envoie un électron dans le système, pardon, on arrache un électron à ce système, ou on remet l'électron dans le système, et l'anneau bleu va se déplacer de la station verte vers la station rouge, puis revenir vers la station verte. Donc un très joli travail qui a été publié exactement en même temps que notre caténane qui est en train de basculer dans une direction ou dans une autre direction. Bon, juste pour vous dire qu'il y a eu énormément d'intérêt pour les travaux de Fraser Stoddart, disons ça a conduit à un nouveau domaine que l'on peut baptiser informatique moléculaire ou molecular electronics, où les gens ont réussi à stocker de l'information avec une densité d'information qui est complètement spectaculaire, 10 puissance 11 éléments d'information par centimètre carré, fondée sur un système binaire. Donc on fait bouger l'anneau bleu de la station verte vers la station rouge, et ça nous permet d'écrire, en fait. On va dire qu'on a 0 ici, on a 1 ici, on peut revenir, on peut lire, on peut effacer, on peut réécrire. Disons, c'est un peu compliqué, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ça a engendré énormément d'intérêt de la part des chimistes et des physiciens, dans la mesure où ça permet, ou ça pourrait permettre, d'écrire et de stocker de l'information avec une densité de stockage qui est phénoménale. Alors, je ne vais pas non plus maintenant vous embêter trop longtemps. Juste pour vous raconter, je vais prendre deux exemples encore. Donc, des muscles artificiels, des systèmes que l'on peut étirer ou contracter. Et pour vous rappeler que les muscles fonctionnent non pas comme des ressorts en introduisant une tension dans la matière, mais comme des objets avec des filaments, et les filaments vont glisser le long les uns des autres. Donc on a des filaments fins d'actine, des filaments épais de myosine, et lorsque l'on contracte, ce sont ces filaments d'actine qui vont glisser vers le centre de ce système. Ce système, c'est un élément de muscle qui s'appelle le sarcomère. Voilà, on contracte, ça consomme de l'ATP, toujours cette fameuse ATP. Et lorsque l'on se détend, hein, ça ne fatigue plus, lorsqu'on se détend, ça ne consomme pas d'énergie et on va revenir à la forme détendue ou relaxée. Alors bon, on va passer là-dessus. Donc on a fabriqué une molécule qui est celle-ci, pour laquelle on va faire coulisser
deux filaments à travers des anneaux, notant également que ces deux filaments sont en train de glisser l'un le long de l'autre. Donc ça, c'est un travail, un gros travail de chercheurs de très haut niveau. On a à peu près 8 nanomètres de longueur pour cet objet étiré. Et maintenant, on envoie un signal chimique, ça contracte, on a à peu près 5,5 nanomètres, on renvoie un autre signal chimique, ça étire, etc. Donc ça a été le premier muscle moléculaire, et ça a engendré pas mal d'intérêt de la part d'un grand nombre de laboratoires qui, depuis, ont fait des matériaux fondés sur ces systèmes avec des fibres qui s'étirent ou qui se contractent sous l'action d'un signal chimique, changement de pH par exemple. Je vais terminer avec un objet qui est encore plus, peut-être plus sophistiqué. On s'est intéressé à des compresseurs moléculaires. Est-ce qu'une molécule, disons, qui va être bien sûr très complexe, très grosse, est capable d'emprisonner une molécule qu'on va appeler G, guest en anglais, donc molécule invitée, entre deux plaques? Et ces plaques, ce sont des porphyrines, c'est pas la peine de rentrer dans le détail non plus, mais on est capable de mettre des molécules entre deux plaques. Et tout cet ensemble-là, ça s'appelle un 4-rotaxane, parce qu'on a quatre éléments chimiques qui sont complètement distincts, qui ne sont pas liés par un lien covalent. On a deux axes ici, terminés par des boules, un là et l'autre ici, et on a deux systèmes qui contiennent deux anneaux. Donc un anneau ici, un connecteur entre ces deux anneaux, le deuxième anneau, exactement pareil là, un anneau, le connecteur, le lien, un deuxième anneau, et les petites boules rouges sont des atomes de cuivre. Donc ce sont ces atomes de cuivre qui permettent de fabriquer cet objet et qui maintiennent la structure, qui maintiennent ce rectangle ici. On a un rectangle. Alors, ce sont des travaux relativement récents. Donc, voici l'objet qu'on avait dessiné avant de le faire. Alors, pour les chimistes, je dois dire, ils doivent réaliser que c'est peut-être pas un objet très simple et qu'au moment où on a dessiné cet objet, certains nous ont dit « mais t'es complètement tapé, on va jamais pouvoir faire un truc pareil ». C'était sans doute vrai, mais on l'a quand même fait. Donc ça comporte exactement ce que je disais, un axe avec deux gros bouchons, le même axe ici avec deux gros bouchons, et puis un bis-anneau, donc un anneau, le connecteur, un anneau, ici un anneau, le connecteur, un anneau, et entre les deux plaques, on peut mettre une molécule. Donc une molécule dit basique, une 4,4' bipyridine, une pyrazine, etc. Enfin, disons des molécules qui vont juste être entre ces deux anneaux, piégés entre ces deux anneaux. Alors, à notre grande surprise, on a pu obtenir des cristaux et on a eu la structure aux rayons X de cette molécule. On n'y croyait pas beaucoup, même pas du tout, et on a eu des cristaux par hasard. Donc l'étudiant de thèse qui faisait ça, Yann Trolez, a noté que dans son tube de RMN, je dis ça pour les chimistes, au fond, il y avait des cristaux, après avoir laissé le tube une nuit au repos. Donc, il a récupéré les cristaux au lieu de les redissoudre, bien sûr. Et on a eu cette structure. Alors, on voit bien les porphyrines, les plaques, là, les plaques roses. Les bouchons, on les voit, c'est des trucs blancs très, très encombrants, très gros. Un anneau ici, l'autre anneau là, etc. Et entre ces deux porphyrines, on va introduire quelque chose. On va introduire une molécule et on a le choix entre deux ou trois molécules. Et maintenant, on va procéder à la compression. Donc cette animation a été faite par Jean-François Nierengarten à Strasbourg. Voilà, nos atomes de cuivre sont là. Et ce sont ces atomes de cuivre qui assurent la rigidité de l'ensemble. Donc ça correspond plus ou moins à un échafaudage. L'échafaudage, il y a des boulons, etc. Et c'est le cuivre. Le cuivre maintient tout ça.
Maintenant, que se passe-t-il si on arrache le cuivre, si on ôte le cuivre? Donc ceci, c'est juste pour vous présenter la molécule. C'est une vraie structure aux rayons X, donc une photo très rigoureuse. On arrache le cuivre, ce fragment veut interagir avec ce fragment. Donc le système s'effondre complètement et les molécules ou la molécule emprisonnée entre les deux plaques va se trouver comprimée et à un moment, bien sûr, elle va être expulsée. Et lorsque je remets du cuivre, je reviens. Donc, juste pour terminer sur cette partie, on a réussi à faire un compresseur moléculaire qui est en même temps un récepteur commutable, puisque, disons, dans cette situation, lorsque les deux plaques sont très proches l'une de l'autre, il n'y a plus aucune propriété de récepteur pour accueillir des molécules. Juste, je voudrais terminer en disant qu'avant l'émergence des machines moléculaires, les molécules étaient principalement considérées comme des objets immobiles et que les systèmes moléculaires qui subissent des mouvements de grande amplitude, comme des moteurs rotatifs, des muscles, etc., étaient pratiquement inexistants. Donc je pense que du point de vue conceptuel, ça a été une avancée. Alors je vais passer sur les propriétés appliquées ou les projets appliqués ou les applications même. Je voudrais juste remercier les gens qui ont travaillé avec moi dans ce domaine. Ce sont les bons côtés du système français. On est toujours très critique. Il y a des tas de mauvais côtés, disons, dans le système de recherche. Il y a des très bons côtés, c'est que on peut très souvent travailler comme des équipes d'amis qui ont, un intérêt en commun. Et ça a été le cas avec ces chercheurs ou professeurs de l'université. On a souvent travaillé à 4-5 ensemble, à diriger ensemble des chercheurs, des jeunes chercheurs qui faisaient des thèses ou des jeunes chercheurs qui faisaient des stages postdoctoraux. Donc je remercie particulièrement ces professionnels, les plus anciens étant ici et les plus jeunes étant là. Il y a eu beaucoup de gens, bien sûr, qui ont fait des thèses, qui ont fait des stages post-doc dans mon équipe. Voilà, tous les gens qui ont participé. Alors, Marilyn Bayler vient de sortir par modestie, là. Voilà, donc je la remercie particulièrement. Elle a été une étudiante brillante, mais d'autres ont bien sûr apporté leur contribution de manière très très significative. Les molécules en mouvement, donc que j'appelle caténane et rotaxane en action, ça a été le travail de tous ces gens. Aude Livorey, la première, et Maria Consuelo Jiménez, celle qui a fait les muscles. Le travail sur le compresseur, ça a été le travail de toutes ces personnes, Jean-Paul Collin, etc., Felipe Reviriego, Valérie Heitz. Gros travail. Et finalement, disons traditionnellement, j'aime bien remercier les organisations ou les institutions qui nous ont aidés, mon université en particulier, le CNRS, les communautés européennes. Et je me permets de le redire, disons aujourd'hui, il est très difficile de ne compter que sur le financement national, qui est souvent un peu maigre. Donc il faut se diriger vers l'Europe. Il faut essayer de trouver des financements européens, c'est vital. Le nouvel institut dans lequel je travaille, ISIS, Northwestern University, donc ça c'est l'université de Fraser Stoddart, où j'ai passé 3 ans, il y a déjà quelques années. Jean-Marie Laine, qui a quand même été mon mentor et qui est un ami, mon directeur de postdoc, Malcolm Green, deux enseignants formidables à Strasbourg qui ont sans doute déclenché mon intérêt pour la chimie et chimie des molécules un peu complexes, Guy Ourisson, Raymond Weiss, ma famille, et je remercie mes deux camarades, là, Fraser Stoddart et Ben Feringa. Je ne serais jamais passé par Stockholm en décembre 2016 sans leur contribution. Et je vous remercie.
Donc merci beaucoup Jean-Pierre pour cette très belle conférence que tu as présentée d'une manière très pédagogique, et je suis sûre que l'ensemble des étudiants ont beaucoup apprécié, et je me lasse vraiment pas de t'écouter même après toutes ces années. Donc j'imagine que ça a quand même éveillé un petit peu votre curiosité, donc on va passer à une petite session de questions, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question à poser. Faut chauffer alors. Faut chauffer. Bon, je vais commencer alors. Donc tu es bien sûr ce père fondateur de ces machines moléculaires, mais il y a